Coucou, bonsoir, bonsoir famille, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit savon pour le visage. Un savon qui va nous aider à nettoyer le visage, à matifier le visage, à enlever les imperfections, les boutons, les taches et tout. Un savon qui va vraiment nous nettoyer le visage. Donc là, je vous montre. Là, c'est mon savon que j'utilisais avant, mais c'est la recette qu'on va réaliser, mais je vous montre ça, c'est ce qui me reste. Du coup, je vais faire l'autre avec vous. Donc, pour faire notre savon, on va utiliser le savon noir. Voilà, ça, j'avais pris la moitié pour faire l'autre savon. Du coup, je vais prendre l'autre moitié pour faire mon mélange. Et le savon noir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour la peau. C'est quelque chose qui va nous nettoyer la peau tout doucement, qui va enlever les impuretés. Le savon noir, je sais, on a beaucoup de savon noir en Afrique, mais on n'utilise pas. Pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour notre peau. Donc, ensuite, on va rajouter le rasoul. Le rasoul, c'est un peu comme de l'argile. C'est de l'argile, c'est pas un peu. C'est de l'argile. C'est un produit naturel qui va nous aider, qui va nettoyer la peau tout doucement aussi. C'est un produit qui va purifier la peau aussi. Et on va rajouter l'huile essentielle de menthe poivrée et un tout petit peu d'eau, mais l'eau on rajoute au fur et à mesure. Donc on va commencer par râper notre savon. Donc voilà mes cocos, voilà mon savon qui est râpé. Vous allez voir, c'est simple à faire, rapide et efficace. Et dans mon savon, je vais venir ajouter deux bonnes cuillères à soupe. Donc comme vous voyez là, c'est un demi savon. Si c'est un savon entier, vous mettez 4 cuillères à soupe. Deux bonnes cuillères à soupe de rasoul. Je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, vraiment pas beaucoup. Et je vais rajouter un peu d'eau pour pouvoir humidifier, mais on rajoute l'eau au fur et à mesure. Et vous allez mélanger ça comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. C'est très 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 simple à faire. Et vous vous lavez le visage avec matin et soir. Et ça, c'est vraiment bien pour les personnes qui ont la peau grasse. Ça va vraiment nous nettoyer la peau. Ça va nous purifier la peau. Donc, mes cocos là. Mes cocos qui sont en Afrique, qui disent que je ne sais pas quoi mettre sur mon visage là. Essaie déjà ça. Si tu n'as pas l'argile verte, c'est pas grave. Si tu n'as pas le rasoul, c'est pas grave. Tu peux utiliser l'argile verte. Tu peux utiliser l'argile verte, ça ne dérange pas. C'est pareil, hein. C'est de l'argile aussi, le rasoul. Là, je vais encore mettre de l'eau. Vous-même, vous voyez que c'est pas difficile à faire, hein. C'est vraiment pas compliqué. L'huile essentielle, vous pouvez les trouver dans les magasins bio. Moi, je l'achète en pharmacie, mais vous pouvez facilement les trouver en l'huile essentielle. C'est pas quelque chose qui est difficile à trouver. Même en Afrique, on les trouve facilement en pharmacie. Et maintenant, il y a pas mal de magasins aussi en Afrique. Par exemple, vous pouvez trouver ça chez Carrefour. Carrefour vend ça aussi. Vous regardez dans les produits, du côté des produits cosmétiques, des produits bio et tout, vous pouvez trouver ça facilement. Donc voilà mes cocos, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. C'est quelque chose de vraiment pas compliqué. Vous allez bien, 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 bien mélanger ça. Voilà, moi je préfère le faire en petite quantité, j'aime pas quand c'est trop beaucoup. Je préfère le faire en petite quantité, comme ça, dès que ça finit, je refais encore. Parce que même ça, quand je fais comme ça me dure un mois. C'est que vraiment que pour le visage. Et on n'a pas besoin de prendre beaucoup, juste un tout petit peu. Moi, quand je fais, je lave mon visage normalement. Et ensuite, je prends ça et je frotte bien, bien, bien mon visage jusqu'à ce que ça sèche avant de prendre ma douche. Donc, voilà. Voilà, notre savon est terminé, oh mes cocos, voilà. Notre savon est terminé. Et moi, je le mets comme ça dans mon pot pour le conserver, voilà. Là, je mets de côté parce que l'autre n'est pas encore fini. Voilà. Et ça, vous allez vous laver le visage avec matin et soir.
Si vous avez vraiment plein, plein, plein de boutons au visage, vous allez voir que ça va partir. Le savon noir, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour la peau. Moi, je vous conseille d'utiliser le savon noir. Le savon noir, c'est bénéfique pour notre peau. Si moi, si j'avais pris le savon, que si quelqu'un avait pris le savon, la personne avait emballé pour venir vous dire que oui, ça, c'est un bon produit là, vous allez utiliser. Mais comme c'est le savon noir là, vous négligez ça. Arrêtez de négliger le savon noir. C'est quelque chose qui est vraiment très, très bien pour la peau. Donc, voilà mes cocos. Notre petite recette est terminée. Voilà. Et ça, vous prenez vraiment un tout petit peu comme ça. Vous mouillez votre visage. Vous frottez, 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 frottez jusqu'à ce que ça sèche complètement. Et après, vous allez vous laver. Quand vous allez faire la première fois, vous allez déjà commencer à voir. La première fois, vous allez voir l'effet que ça va faire sur votre visage. Donc voilà mes cocos. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et on se revoit très très bientôt. Bye bye.